retrouve pour sûrement la fin de ce let's play. Sûrement. Non, 92. Attendez, juste on règle le son. Voilà. Donc, tu peux pas. C'est vachement sensible, hein, Audacity. Donc voilà. Donc oui, donc on se retrouve pour la fin de DQL. Oui, sûrement. Enfin. Donc. On verra bien. Oui, donc il faut par contre que tu leur expliques ce qui s'est passé. Oui, bon, il y a une suite de FPS de malade, mais. Okay. Je leur explique quoi? Ah oui. Non, je sais plus. Il y aurait dû avoir. Entre cet épisode et l'autre rappelle, que vous avez. Tu peux parler au bonhomme. Hein. Oui, je sais. Mais c'est juste pour parler, voilà, tu vois. Ah, j'ai une baisse des fesses, c'est violent. Donc, normalement, entre l'épisode là et l'épisode, le dernier que vous avez vu. Après le teaser ou avant, je sais plus. Ces épisodes, en fait, il y a eu des. Un épisode ou deux. Deux, normalement. Oui, donc il y avait l'épisode 38, normalement. 28. On avait fait l'épisode 28 et 29. Donc là, on va dire que celui-là, ça sera l'épisode 28 qui s'appellera fin. Ouais. Voilà. Donc en gros, l'épisode 28 et 29 qu'on avait déjà tourné, on a décidé de pas les faire. Parce que le 28, on en avait fait. En fait, au début, on voulait faire un grand 40 minutes. Et le 28, on a fait rien du tout quasiment. On a fait que 20 minutes. Et le 40, qui était la fin, bon, on l'a complètement fail en fait. 40. Le 29, l'épisode 29, on l'a complètement fail, qui était la fin. Ouais. Et donc, pour éviter de faire un 30e épisode, enfin, voilà. On voulait pas vous montrer l'humiliation. Ouais, puis donc voilà, donc on a préféré enlever le 28 qui servait déjà à rien, plus le 29 qui on avait fail, et on a refait un nouveau 28, enfin voilà. Alors pour cet épisode, on va faire tous les combats. Ok, ça marche. En fait, des combats donc, annexes. Hein. Ouais, donc là, on va faire vraiment 40 minutes. Et par contre, faut juste, parce que là, les gens, ils doivent se dire waouh, les monstres que t'as et tout. Faut juste que tu leur dises pour les monstres, par contre. Ben, on les a XP. Non, mais ils les ont jamais vus, en fait. Ah oui, c'est vrai. Mais on les avait pas montré comment on les avait fait. Ben non, parce que c'était l'épisode qu'on va pas mettre. Ah oui. T'es con. Donc, en fait, on a créé des monstres. Donc, on les a montrés tout ça dans l'épisode qui a bugué, les deux. Enfin, buggy, c'est juste qu'on a fait des conneries. Et ouais. Donc, on a fusionné. Je sais plus si on l'avait vu, Garuder, en vidéo, normalement, je pense. Oui, que si, largement. Oui. On a fait la finale avec. Ouais. Et ils ont... Oui, c'est vrai. Donc, Garuder qu'on avait transformé. Fusionné avec Jamyrus. Et Condor Infernal. Voilà. Non, oui, Condor Infernal, c'est vrai, il connaît mieux les noms que moi. Et plus un géant que. En fait. Que j'avais ou que t'avais capturé. Non, même pas. C'était. Ah oui, c'était à. Ah oui, oui. À Sylvia. Oui, donc vous vous rappelez peut-être qu'on voulait pas d'Atlas au début parce que ses stats étaient pourries. Eh ben. J'ai réussi à trouver. Bon, le micro, je vais le foutre en l'air. Je me suis rappelé en fait dans le jeu à un endroit, à Sylvia. C'est juste à côté du centre de soins et tout ça, de centre de dressage. Il y a en gros un gros magasin, enfin gros il est petit mais il y a de gros trucs dedans. Et en montant à l'étage de ce bâtiment, il y a une madame, voilà. Qui propose des monstres à synthétiser. Voilà, des monstres de d'autres personnes, bon c'est des robots bien sûr, hein, ils vont pas faire de vraies personnes. Voilà, et donc il y avait un atlas. Voilà, il y avait un géant. Un géant, et donc un on géant a pu faire un... bien en stats, et donc après, vu que j'ai vu que j'avais justement Faucon d'or, j'ai réussi à me faire l'atlas qui est plutôt en stats. Fort, puis après on s'est collé une grosse séance d'XP pour tous les monter à peu près level 30. 32. Donc après celui-là, il y en a un autre. Ouais. Donc, je fais des conneries. Je mets bien. Voilà. Après celui-là... Ah putain, ma jambe elle a craqué. Après celui-là, on avait créé un bastonnier. Je ne sais plus comment. Donc on va voir ça tout de suite. Ah oui, ça fait longtemps ça par contre. On l'a même pas vu en épisode, je crois. Donc si Monsieur Boss, vous l'avez vu quand on l'avait capturé, mais on en a recréé un autre entre-temps. Avec un géant et un encorneur, justement le géant que lui il avait créé qui était complètement pourri. On dit ça, on dit rien. Hein. Ouais. Et pour comment il s'appelle? Pas Zuzu. Pas Zuzu. On l'avait synthétisé avec un Sylvapitek qui est.
Bon, on peut pas le montrer, mais voilà. Que la souris, plus Jamirus ou plus un Jamo, j'en sais rien. Ouais, Jamo. Normalement, c'était Jamo. De toute façon, pour ceux qui veulent les preuves, on les a. On a encore les saves. On va peut-être pas le montrer maintenant, mais si vous, jamais il y en a qui gueulent dans les commentaires, on fera une vidéo bonus tout pour vous montrer. Comme ouais. Ça, voilà. Donc après, en fusionnant Pazuzu, enfin Pazer, et Monsieur Boss, on a réussi à avoir un bastonnier qui est plutôt pas mal en stats. Il est moins bien que Atlas, bien sûr, hein, vu que lui c'est un mage. Et on l'a pas monté en mage du tout en fait. Donc on a fait un peu des conneries. Voilà. Et donc. Et Golem, eux ils le connaissent donc il n'y a pas de soucis. Il est là, celui-là on le garde parce qu'il a. Il a des bonnes stats, il a tension surtout. Tension, c'est le plus important. Et donc voilà. Donc t'es ready, on va faire un bon épisode de 40 minutes histoire de bien faire la fin là. Voilà, donc là on va faire tous les boss annexes de ce temple et tout ça pour vous montrer tous les boss. Surtout un qu'on a déjà fait en vidéo mais on va refaire. Ouais. Donc voilà. Donc celui-là, ça c'est un boss qu'on a déjà vu à Fertilia. Celui qu'on a capturé. Hein. Et celui qui nous a permis de faire un monstre, je sais plus. C'est le chef troll. Niveau B, tout ça, Sissi Pépère. Bon, il a une couleur bizarre, mais ça c'est juste à cause du lieu. Donc par contre, je sais plus s'ils sont forts ou pas. On verra bien. Et on peut pas le dresser celui-là. Non. Aucun des monstres annexes. Ok, donc voilà, vous aurez sûrement vu le teaser qui est sorti samedi, voilà. On n'en sait rien en fait. Qui est sorti vendredi. Ouais, ouais donc il était bien, je ne me rappelle pas en fait, vu que je l'ai pas vu encore. Ouais, c'est moi qui me suis coltiné le montage. Je te l'ai déjà montré, mais sauf que tu t'en souviens plus, c'est tout. Ah si, si, c'est vrai, c'est vrai. Non, tu m'as rien. Si, bon. Si. Voilà. Et le pire, c'est que le mec, il m'y croit pas, tu sais. Non, on s'en fiche. Enfin, je ne s'en fiche pas vraiment, mais voilà, ouais. Hein, on se comprend. Ouais. Par contre, on a fait beaucoup de XP. Pour ceux qui se demandent pourquoi ils sont déjà niveau 32, tout ça, parce qu'en fait, on avait Atlas niveau à peu près 25, 28. 24. Et même à ce niveau, c'est en fait ça qu'on a fail. C'est qu'en fait, même niveau 25, on n'en revenait pas, mais ils n'arrivaient pas à battre le boss final. Quoi. On s'est fait défoncer, quoi. Donc les mettre niveau 30, 32. Et voilà. Même encore, c'est même pas sûr qu'on le bat, parce qu'il est vraiment très très fort. Donc là, le chef troll, il va mourir vite, hein, normalement. Ouais. Normalement. Tu regardes quoi? Juste un truc vite fait. Vitesse 2. Oui, c'est bon, on a vitesse 2. Ah ouais, ok. Putain, il connaît même pas. Même en fait, on l'a même pas encore utilisé, je crois, dans l'épisode. On s'en fiche. Non, parce que c'est juste pour s'il y a une chute de FPS, mais bon, c'est bon. Ah, c'est vrai qu'il y a plus de chute d'FPS en fait. Ouais, c'est tranquille. Je sais pas pourquoi il y en avait un hein, par contre. Là, il y en a encore. C'est ouais, vachement bizarre, je sais pas. C'est des petites, c'est rien ça. Ouais, c'est quand ça descend à 30 que c'est pire. Là, ça à 40, ça va encore. What? Quoi? Eh mais il fait mal le chef troll. Il a fait du 442 dégâts. T'es sérieux? Ouais. Plutôt. Ah non, il a fait une attaque qui affecte. Putain, il rapporte quand même pas mal hein, en XP. Combien? J'ai pas vu. 1387 je crois. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, il give rien comme arme quoi. Non. Par contre là après il y a. Ouais, ouais, parce qu'en fait, ouais voilà. Parce que ouais voilà. Il est très ouais. Clair. Mais au moins, tu vois, on me comprend. Pas exactement. Pour ceux qui... Enfin, vu qu'on l'a pas sorti l'épisode, ils peuvent pas forcément comprendre. Ouais, mais c'est pas grave. Donc, le prochain boss, on va peut-être faire un peu de teasing, on va peut-être spoiler un peu. Voilà. Donc, c'est un dragon qu'on a déjà croisé dans un temple, mais... Mais, ouais, sous une autre forme, donc voilà. Voilà. Mais c'est la même forme, ils se sont pas fait chier. Hein. Enfin, ouais, ils l'ont juste mis en noir, un peu dark, quoi, mais. Voilà. Mais c'est tout. Hein. À part ça, ils se sont pas fait chier. Hein. Ça va. Et en plus, ils drop une arme. Ouais, ils drop une arme assez badass. Je sais pas si, vu qu'on l'a, peut-être que ça le donnera plus. Je sais plus. Normalement, c'est quand on ouais. Je crois. Ouais, donc ne vous étonnez pas par contre si les dialogues vont peut-être changer un moment. Je viens de m'en rappeler d'un truc. En épisode. On peut pas le montrer là, mais on a capturé aussi un coffre. Tu te rappelles pas le coffre niveau S? Ah merde. Est-ce que ce serait pas dans l'épisode 28? Parce c'était que si dans c'est l'épisode ça. L'épisode 29.
Je pense pas. Dernier épisode. Je pense pas. Non, non, parce que quand j'ai monté l'épisode 28, j'ai le souvenir que tu l'as capturé dans cet épisode. Et même qu'on avait. Si, si, parce qu'on avait fini l'épisode là-dessus. Et bah, dans ce cas-là, vu que là, je l'ai pas encore supprimé, je mets l'épisode 28. Donc, vous avez vu l'épisode 28, c'est l'épisode 29. Voilà. Ou soit, tu prends juste la partie, tu montres la capture. Parce que niveau 20, enfin le 28, il était pas trop intéressant, donc peut-être que ça va pas plaire à tout le monde. On verra bien. Si vous le voyez, vous le voyez, mais. Ouais, ou au pire, je ferai un raccordage dans cet épisode, c'est possible. Voilà. Au début, tu me diras ce que tu préfères, ouais. Puis voilà. Voilà, si c'est bon, là, tout de suite, vous allez voir la capture. Voilà, au pire, maintenant, voilà, donc voilà. Ouais, c'était cool, c'était intéressant, mais en fait, ça. Mais si vous l'avez pas vu, bah, vous avez vu l'épisode 28, et dans ce cas, ce sera l'épisode 29. On verra comment on fera, mais on fera quelque chose. Voilà. Voilà. Donc là, par contre, coupe souffle direct. Alors, c'est un type dragon. Ouais, donc là, vous aurez reconnu forcément. Grand dragon, voilà. D'or, et qui est un dragon noir. Hein, ils se sont vachement fait chier pour le nom. Comme tous les noms du jeu, hein, Cocoricoc, on voit que c'est vachement travaillé, putain. Tu sais, voilà, je sais pas quoi dire d'autre, mais voilà, tu sais. Ouais, je serais pas créateur de jeux vidéo, moi. C'est pourquoi? Je suis trop intelligent pour créer des jeux vidéo. Faut vraiment être con pour créer des noms comme ça, quoi. Oui, c'est vrai, ils sont pas. Non, mais vraiment, quoi. Le jeu, il est pas dégueulasse. Hein. Le jeu, il est bien. Non, 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 mais ouais, mais. C'est comme Pokémon, putain. J'aurais jamais été assez con pour créer des noms comme, je sais pas, moi. Comme, je sais pas, moi, Passe Rouge ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, j'avoue, c'est un peu. Moi, pour moi, je me casserais la tête. Je me dis, ah putain, il ressemble à un rouge-gorge. On va l'appeler, je sais pas, moi. Rouge gorgie ou un truc comme ça, mais j'aurais pas l'idée de l'appeler passe rouge, quoi, le mec. Y'a un oiseau dans des QM qui s'appelle rouge gorge parce qu'il s'appelle rouge gorge et parce qu'il ressemble à un rouge gorge. Tu crois qu'ils se sont fait chier pour ça? Non. Non, il s'appelle rouage gorge, je crois. Oui. Parce que. C'est vrai en plus. Parce que. Mais parce qu'il a des rouages, enfin des engrenages ou des trucs. Bon, tu vois, ils se sont quand même fait chier à rajouter une lettre. Ouais, putain, ils se cassent vraiment la tête, hein. 1500 et châtiment des dragons qu'on a déjà, donc voilà, on s'en fiche des équipements, c'est pas le plus important dans le jeu. Ça permet d'être plus fort, mais bon, hein, voilà, je me comprends. Voilà, voilà. Et juste, je veux juste te demander un truc. Je déconne. Merci. Hein? Quoi? Ok, j'avais une meilleure arme sur. Donc il drop plus d'armes? Si. J'ai reçu okay. Châtiment de dragon. Ok, et donc je voulais te demander un truc. Yes. C'est-à-dire que si on fait tout dans cet épisode, yes. On fait aussi ce que tu sais de la fin. Enfin, je veux dire après la fin, quoi. Ah. Le machin après la fin. Est-ce que ça prend beaucoup de temps ou pas? Non, tu le tues et puis c'est tout. Mais pour avoir la clé et tout ça, comment on fait? C'est juste devant. Ah la bah porte. Ça va. Donc ouais, c'est simple. Ouais, ok, c'est tranquille. Bon, on se fait tout dans cet épisode. Comme ça, on aura vraiment rien loupé, on aura fait le jeu jusqu'au bout. Voilà. Parce que moi, comparé à un certain youtubeur, je connais l'histoire. Je ne citerai aucun nom. Voilà. Quelqu'un qui a cru que ça s'arrête à la finale. Voilà. Il n'a pas cherché plus loin. Il se fait voler son monstre et il... Ouais, c'est voilà. Normal pour lui. Ouais. Oh, on dira... on peut bien finir sur un vol de monstre, hein. Surtout sans avoir le trophée. Et... Voilà, c'est vachement voilà. Dégueulasse comme fin. Putain, mais non, arrête, c'est la meilleure fin qu'on puisse imaginer. Je déteste les jeux qui se finissent comme ça, il y en a en plus. Hein. Y en ouais, a ouais, des ouais. Comme ça, mais c'est ouais, mais il y a des deuxièmes opus après. Enfin, il y a des deuxièmes. Ouais. Il y a une suite quoi. Il y a un deuxième jeu quoi. Enfin, pas tout le temps. Hein. Le plus souvent, ouais, mais des fois. Ouais. Ouais, ouais, c'est chiant ça. Les meilleurs jeux, n'empêche, c'est ceux. C'est ça où tu peux revenir sur le combat final. C'est tellement ouais, bien ça. Sauf que dans ce jeu, tu peux pas. Ouais, dans Spectrobe aussi, ce que je trouve un peu dégueulasse. Et même le boss. Bon, je vais rien dire. En fait, je le dirai après. Après la fin, si on arrive à le battre. Et on peut pas le créer. Je suis déçu. Qui, le boss? Ouais. Bah oui, mais en même temps, t'as vu qui c'est, on peut pas... Or, tu l'as besoin dans la bibliothèque. Connard. Ouais, c'est un connard celui-là. C'est le boss, en fait, t'en as besoin dans la bibliothèque pour donc, tes stats, mais en fait, t'es obligé de le cheater. En fait, ouais, donc c'est lui que t'as utilisé pour faire Appa Zouzou, machin. Pas Zuzu. Ouais, pas Zuzu. Qui est son évolution un peu. Ok. Ouais, ils se font pas chier, hein. Ouais. Genre Atlas, ils ont juste changé la couleur. Sylvapitech en Pas Zuzu, c'est juste en rouge. Putain,
Putain, ouais, puis je veux pas dire les noms quand même. Géant, parce qu'il est géant. Voilà. Atlas parce encore. Que voilà, c'est un colosse, c'est un costaud, voilà, quoi. C'est passable, c'est un des seuls noms qui est passable encore. Bastonnier, bon, ça m'a pas fait chier. Un gars qui a une massue, c'est bon, c'est un bastonnier. C'est vachement dégueulasse comme nom, en fait. Et donc là, on va enchaîner sur le troisième boss, je crois, bientôt. Et le golem, parce que c'est un golem. Ah ouais. Puis le golem d'or, parce qu'il est en or. Voilà. Putain, mais ils sont tellement forts. Intelligents. Est-ce que c'est maintenant qu'on enchaîne tout de suite sur le troisième boss annexe ? Il n'y a pas de troisième boss annexe. Ah si. Si, je sais ce que je veux dire. Sauf que il est pas vraiment annexe, lui, c'est un peu... Oui, il est un peu obligatoire, quoi. Tu peux pas le passer, quoi. Ouais. Donc c'est ici qu'on avait capturé la boîte, je crois. Ouais, non, c'est juste après, là. Là, voilà. Ouais, voilà. Donc on avait ouvert ce coffre. Je pense que je le mettrai à ce moment-là, dans ce cas. Ouais, je pense. Je le mettrai à ce moment-là. Ouais, on fera juste un raccord, parce que franchement, l'épisode était pas intéressant. Je pense qu'on fera vraiment juste un raccord, et puis voilà. Donc là, à ce moment-là, vous l'aurez vu. Voilà, très intéressant. Plus, vu qu'on finit le jeu dans cet épisode, c'est pas que ça nous servira à grand chose, mais bon. Ouais, voilà. Mais quand même, et tu te souviens, comme on était étonné, on croyait que c'était un niveau. On croyait que c'était un niveau S. Non, un niveau A, ouais, et d'un coup, niveau S, oh putain. Surtout qu'on l'avait eu à. Je sais plus, 10%. Non, 30%. 30 ou 40%. Okay. Purée, on était trop fort alors. J'ai mal au dos. Ouais, et on s'en bat ici. C'est tellement cool, quoi. Des couillards. Pas c'est nul, par contre. Hein. Ouais, des fois, dans les fins, ils mettent des monstres assez chiants. Hein. Assez nuls, hein, comme fin. Ils sont moches. Bon, pas très puissants. Ils sont en raccord avec le monde, quoi, un peu. Voilà, c'est ouais, bizarre, ça, c'est encore bien. Voilà, mais les pestes fantômes. Enfin, le machin avec épée, c'est pas vraiment là. Ce serait plus dans un château abandonné, quoi. Tu vois, le monstre qui est là-bas. Ouais, c'est ça. Non, je sais qui c'est. Plus, je crois que t'en as... Ah non, t'avais essayé d'en capturer un. Ouais. Donc, je vous dis, l'épisode dernier, on avait fait 20 minutes... Enfin, 28 qui a fail. On avait fait 20 minutes. Et c'était que des fails, quoi. Enfin, que des fails. C'est surtout le 29 qui était fail, mais... Voilà. Le 28, on avait juste capturé... Le seul truc intéressant qu'on ait fait, c'était le combat contre le dragon et la capture de la boîte. Voilà. Donc voilà. Mais vu que là, on a déjà refait le combat contre le dragon, vous l'avez vu, et à ce moment-là, vous aurez vu la capture de la boîte. Donc à ce moment-là, l'épisode ne sert à rien. Et là, on enchaîne sur le troisième boss annexe. Je te laisse avancer pour voir qui c'est. C'est notre ami. Parce que tu vois, on l'a dans l'équipe. Ouais. Atlas. Putain, tellement classe. Oh. Les rines de malade. Il s'y croit trop, hein. Putain, j'espère que ça va recommencer la cinématique et tout, parce que c'est un peu con si on prend sur les dialogues comme ça. Ça reprendra pas. Enfin, ça sera la même animation, mais... Pas aussi impressionnant. Ok. Bon, bah c'est pas grave. Enfin, le texte, il sera bon, un peu impressionnant. Comment tu sais? T'avais déjà perdu comme ça et recommencé? Oh, je l'ai fait plusieurs fois, hein, ce boss, hein. Pour réussir, hein. Mais le pire, c'était le combat contre le loup, en fait. Moi, de mon côté, j'avais mis contre le Joker 15 000 ans. Moi aussi, t'étais petit et enfin, tu savais moins bien jouer, quoi. Ouais. Le truc que je faisais, moi, c'était combattre à chaque fois. Je choisis pas de technique. Et je fonce dans le tas. J'étais que level 10 en plus avec mes monstres. Donc par contre, on fera une safe state cette fois, devant le boss, même pendant le combat, directement, comme ça. Ouais. Ouais, soigne-les déjà. Histoire qu'on puisse y aller tranquille. En fait, si. On a perdu à part. Ouais, à part Golem. Merde. Ouais, et lui, direct tension. Ouais. Tension max, je dirais même. Ah oui. Sinon. Bon,
Je me suis équipé de la poutre décuplo. Non, on va pas la prendre, on va la décuplo. Mets toutes les chances de ton côté. Hein. Si, si, ouais, c'est ce que je fais. Et soigne-les au max, même si tu utilises un truc en trop, on s'en fout. Non, ça, c'est bon, disons. Mais regarde, herbe médicinale. Non, golem, il avait moins. 10 quand même, c'est. Enfin... Ça peut tout changer. C'est vrai. Moi, ouais, des fois, on dit, mais bon. C'est vrai que 10, c'est pas grand chose, mais bon. Ça non, peut des fois jouer. J'ai plus. Je sais pas ce que j'en ai fait. Merci à celui qui est dehors et qui a claqué la porte de sa voiture violemment, monsieur. Une fois, c'était excellent. J'ai fait un montage, mais je pense que vous l'aurez pas entendu dans un épisode. Mais c'était excellent. Je me suis plié en deux dans le montage. C'était et en plus on m'attendait bien. Hein. Il y avait un gros camion qui était passé dans la rue et j'ai dit merci connard de camion. Dans l'épisode, ça après, mais vu que t'entendais la musique du jeu après, ça rendait. Je pense qu'on entendait plus trop. Du coup, après, j'avais juste un peu l'air con dans l'épisode, mais bon. Donc là, on va se retrouver sur le boss. Donc vas-y, save state tout de suite. Ah oui, c'est vrai. Histoire qu'on soit peinard et qu'on se retape pas le chemin. Hein. Ah purée, je m'en mêle dans les câbles en dessous. 11 mars, c'est le... Non, j'ai failli faire... Par contre, fais gaffe, supprime pas justement les trucs qui peuvent nous être utiles pour leur montrer des trucs. Et je sais pas c'est lesquels. Fais voir 0. Ah bah non, sinon... Allez, on... Bah celui-là en fait. Bah prends le plus vieux. Ouais. Genre 13 février. Non, ah oui, oui, non, 11 mars, ouais. Prends celui-là du 11 mars. Ouais, c'est celui qu'on a fait il y a 5 minutes. Ouais, ouais. Je sais même plus pourquoi en fait. Qu'on a fait en... Ah oui, oui, oui. Non, bah pour refaire le chemin en off, on l'avait fait. Oui. Pour refaire le chemin en off du coup. Ah mais là, on n'a pas fait le chemin en off. Hein. Non, c'était quand on avait vu si ça buguait ou pas. Ah oui, donc ouais, donc voilà. Je vous rappelle la cinématique, donc voilà. Je serai obligé de t'anéantir. Moi, merde, j'ai passé les tests. Bah, c'est pas grave, ils les ont vus. Ouais, c'est plus intéressant vu qu'il n'y a pas. Il n'y a pas la cinématique. Voilà. Donc voilà, combat final. Enfin. Ah, on a. On a quoi? On a plus le combat contre les deux monstres. Quels deux monstres? Tu te rappelles pas? Non. Avant Dr. Rebelote, il y avait un combat, un autre, contre deux monstres. C'était qui? Je sais plus, c'était un Encorner et un... Oui, mais tu sais, c'est pas intéressant, et puis de toute façon, enfin voilà. Je sais que t'en as marre aussi, donc ouais. Voilà. Coupe souffle. Ah non, un technique de tapette. De toute façon, c'est mort, je pourrais pas la remontrer parce que j'ai supprimé toutes les vidéos qu'on a fait. Donc Vu qu'on est des cons. Ah oui, c'était des cuplots avec ça. De toute façon, j'espère que les gens y comprendront s'ils sont pas bêtes. Parce que franchement, les gens, comprenez-nous, on en a un peu marre de refaire le chemin et tout. On a passé un épisode de 40 minutes à faire que du fail, c'était l'horreur. Donc, excusez-nous s'il n'y a plus trop les dialogues et tout, mais bon, voilà. Ouais, voilà. Un peu de respect. Hein. Un peu de respect pour ceux qui se tapent du off à gogo. Hein. On perd aucun dégât, mais par contre, le ouais, Dr. Rebelote qui va nous faire 15 000 dégâts, c'est sûr. Ah oh, putain, ça c'est l'attaque que j'aime pas. Eh, alors là, et pour ceux qui disent qu'on n'était pas assez... Ah putain, mais tu vois, et quand même, on est limite. Hein. On est encore limite. Hein. Encore, je sais même pas si on va réussir. Là. Ça me paraît juste. Hein. Ouais. Bon, je pense qu'on va quand même réussir. Enfin, je dis ça. L'attaque kamikaze, on la garde vraiment KO. Hein. Mais vaut mieux pas la faire, en fait, parce que... Ouais, elle fonctionne pas. Enfin, elle fonctionne, mais... Ouais, mais pas sûr en fait. Ah oui, c'est vrai, on avait testé. C'est là qu'on avait fait le con en fait, je crois. Ouais. Tu veux pas utiliser un objet ou un truc? Sur Golem au moins? Ouais, sur Golem, c'est vrai. Au moins comme ça, lui il est save. Bon, on le met jusqu'à 100%. Ouais, ouais, faut vraiment le mettre 100%. Quitte à sacrifier les autres, au moins lui s'y tient. Là, c'est le combat final. Ouais, ouais, c'est chaud. J'ai pas la musique, c'est pas grave. Ouais, bon, c'est... En fait, ils sont pas fait chier pour le boss final. Hein. C'est toujours la même musique de boss, en fait. Ah, c'est... Ouais, je connais. Bon, lui, 0 dégâts. Par contre, pour Spectrobe, ils avaient mis une musique tellement épique pour la fin. J'avais kiffé. Pour ceux qui ont vu l'épisode hier. Ouais. Il est sérieux. Il est violent celui-là.
Ça va encore si c'est que sur lui. Enfin, ça va. Ça va, ça va. Il attaque deux fois le mec. Oui. Mais c'est des malades. Par contre là, utilise ouais justement sur Clubo, une potion. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Donc tension, c'est en 50 je crois. Attends, on a deux rosés. Entre son. C'est quoi on va utiliser? Non attends. Non. Si ça va leur rendre toute leur vie, donc en fait non tant mieux. Ouais. Eh mais c'est oui, on les avait pas utilisés, on avait pas fait les cons, c'est ça qui est bien. Ouais. Heureusement qu'on comme on voyait qu'on était en train de fail, on l'avait pas fait. C'est on cool. Été intelligent. Et même la feuille d'Hydrasil, on l'a pas utilisé. Ouais, là franchement sur le coup là on n'a pas été con. Ouais, pour une fois. D'habitude on fait des conneries. Ouais ouais. Enfin, moi je suis exclu hein, parce que c'est toi qui es aux commandes, ok? Donc tais-toi. Même si c'est des fois moi qui te dis des trucs, c'est vrai. Enfin des fois, jamais pratiquement. Ouais. Je t'écoute pas la plupart du temps en fait. Ouais, sauf l'épisode où on a fait les Thug Life là, pour les captures des monstres. Et ça a fonctionné. Ouais, et ça a fonctionné. C'était excellent ça aussi. Non, ça c'est chiant. Non! Sérieusement? Eh mais c'est un gros porc. Voilà. Je suis vulgaire dans mes mots, tu vois. Du coup, tu le refais? Ouais. Bah oui. Sans ça, on peut pas le faire. On peut pas le battre. Donner ordre? J'aurais mis un objet, moi. Non, c'est bon. Ils ne vont pas. Ils vont le tenir? Ouais. À ce moment-là, j'utiliserai une deuxième fiole. Hein. L'hydragile, ouais. Pas con. De toute façon, on a rien à perdre. On a sauvegardé avant. Ah oui, en plus, t'as rien pour le poison. Ouais. Bon, ce qui est cool, c'est que ça n'empêche pas d'attaquer. Enfin, je crois. Ça lui fait perdre juste des dégâts tous les tours. Non, c'est rien du tout comme des dégâts. Mais voilà. Bah, pour lui, ouais, ça va pas changer grand chose. Mais... Ça serait bien qu'il crève là. Lequel? Rebelote. On doit. Commence à méditer. Oh le bâtard. Bon, ça va, on lui a fait perdre je sais pas combien de vie, c'est pas ça qui va le. Ah ouais. Bon, fiole ou pas? Fiole. Bon, c'est déjà, pas grave, ça sera. Déjà, t'es sûr? Moi, je te dis, garde là. Hein. Encore un tour au moins. Un tour. Je pense qu'ils peuvent encore tenir un tour avant que tu l'utilises. Je vais remettre puissant. Ouais. Là, je l'écoutais et ça va fail. Non, franchement. Aie confiance. Ou si tu ne crois pas, save avant. Attends. Il est type quoi, Rebelote? Type démon? Je sais plus maintenant. Moi, j'en sais rien du tout, moi. Des fois, moi, je suis juste calé sur les noms à peu près, mais. Voilà, on va tester. Mais bon, on l'a pas mis tension 100 parce qu'on a bien vu qu'en fait, à chaque fois, il fait une attaque qui annule. Ouais. Il est pas con en fait ça. Il est niveau 20 là? 20 tension ou 5? 5 je crois ou 20, mais ça c'est pas trop grave, ça change pas rien. Enfin mais, si. Putain il fait très très mal hein. Putain, très très mal. Un dégât. On se sent faible. Mais après dès qu'on a battu Docteur Rebelote. Ouais c'est tranquille après. Ouais. Mais faut-il encore le battre? Faut-il encore le battre? Mais en fait je pense que tu t'y es encore mal pris. Mais bon, après, peut-être que ça va marcher. Hein. Pour de quoi? J'aurais d'abord dégommé les monstres à côté, moi, mais bon. Non, parce que c'est lui le plus fort, c'est lui qui fera le plus de dégâts, donc il faut attaquer le. Putain, mais il a masse vie, le mec! Tu penses qu'il l'a fait au bon moment. Il a annulé l'attaque et il fait une simple attaque. Donc là, par contre, on utilise. Esquivabilement. Là, on est obligé, hein, parce que. Ouais, ok. Vas-y. Puis au pire, t'as encore une fiole après. Ouais. Et je pense qu'on va le battre. Lui, du moins. Rebelote, ouais. Puis après, les autres, ils sont un peu plus faibles. La dernière fois, on avait fait une connerie, en fait. On attaquait au pif, en fait. Moi, j'avais pas de technique, donc j'attaquais n'importe qui. J'avais pas attaqué... Ouais, et en fait, je pense que c'est pas une connerie, parce que les autres, ils font pas tellement de dégâts que ça, en fait. Mais lui, par contre, il a masse de vie. Ouais, c'est pour ça, en fait, faut le spammer, lui. Ouais, bon, là, il a quand même fait masse de dégâts, l'autre. Bon. Y a moyen de le tuer un jour ou pas? Oui. Ça va être chaud. Il reste un monstre très très fort. C'est un monstre très très balèze, donc ça va être chaud quoi. Est-ce que tu tenterais pas une tension? À partir de maintenant. Tu penses qu'il est bientôt mort ou pas? Franchement, là, faut être stratégique. Hein. Non. Il est bah,
doit lui rester environ 600 points de vie. Donc là, normalement, on est censé le tuer, si je me trompe pas. Moi, je serais toi, je ferais une tension 5. Mais bon. Si tu fais-toi confiance. Moi, franchement, je te dis fais-toi confiance. Fais confiance. Ouais. Fais-toi confiance. Ouais. Moi, je dis ça, j'ai aucune expérience sur le jeu, alors après, je veux juste essayer de te conseiller, mais... Moi, ça, c'est pour les capacités spéciales. Ouais, ça, ok. C'est pas trop bien. Enfin, les capacités spéciales, les attaques, quoi. Magique. Donc j'en ai pas. Après, si jamais tu me dis qu'à 600 il est mort, là, il va peut-être mourir, j'en sais rien. Moi je dis ça au pif, hein, je connais même pas le nombre de ses points de vie, je m'en rappelle plus en fait. Avant je le savais. Je pense que Bastogne il va crever. Là, non, c'est pas grave. Hein, ça... De toute façon on a encore un truc de le ressusciter, non? Ouais. Et lui qui attaque le mauvais, merci. Aïe. Oh putain, il est con celui-là. Bastien, il a survécu. Donc là, on va lui. Le défense, mais en fait, il va crever quand même le Bastien. Bastien. C'est chaud, hein. Ouais. C'est vachement chaud. Je sais pas si ça sert à quelque chose de le soigner. Hein? Vas-y. On en a encore un. Ouais, je sais même pas d'où il vient, mais... Si, on a dû le récupérer dans un des épisodes, justement. Ouais, bon, ça, c'est cool. À mon peine qui fait aucune attaque magique, vachement intelligent. GG, well play. Putain, mais sérieux, et franchement, faut qu'il crève. Hein. Je viens de me rappeler d'un truc. Quoi? À mon peine, il peut pas ressusciter ses potes. Si... Je me trompe pas, il peut ressusciter les monstres. Mais c'était ça la dernière fois qu'on avait fait comme connerie. On l'avait pas tué, Docteur Rebelote, la dernière fois. Oui, mais on avait tué Shivatak. Il avait ressuscité. Par Amanpen, je crois. Bon, putain, mais on est... Mais comment veux-tu gagner? C'est impossible! À ce moment-là, faut tuer Amanpen. Mais on verra bien. C'est... Peut-être que je me trompe, peut-être que je dis une connerie, mais... Mais le mec, il a combien de vie, putain? C'est pas possible. Beaucoup. C'est déjà ça. Beaucoup. Ouais, je sais pas si t'as fait une... Fais tension. Ça sert plus à rien maintenant, Soit il va le tuer, là, ce tour, c'est soit il va le tuer, soit il va pas le tuer, donc... Ce sera à voir. Genre, le mec, il ressuscite, c'est bon, il le spam direct, quoi. J'avoue. GG, fair play. Putain, et sérieux, c'est vachement chaud. Hein. Oh, putain. Attends. Maintenant, faut spammer à mon peine. Faut spammer à mon peine. Pourquoi qu'il ressuscite, ouais. Ouais. Faut le spammer. Il a combien de vie à mon peine? Beaucoup? 1000. Putain, faut le spammer. Ouais, ça, c'est cool, déjà. Je crois qu'il a 1000, après. Mais s'il ressuscite, il ressuscite avec toutes ses vies? Non, jamais. C'est moitié. Spam à mon peine. Spam-le. Mais fais pas de conneries non plus. Ouais, remettre puissant. On est bon là, on est déjà pas mal là. Putain, moi je stresse à ta place, normalement c'est toi qui devrais stresser, putain, mais moi, voilà quoi. Ok, il a pas du tout de vie en fait. Ouais, bah là c'est bon, je pense qu'on a gagné. On a gagné. Oh, putain, GG quand même. Et t'as vu qu'on a galéré quand même, même avec les monstres, niveau 32 quoi. Bon les gens, bon bah voilà, c'est ton let's play, je te laisse le finir. Je sais pas si le générique dure longtemps ou si... C'est pas encore fini, on a fait le dernier truc. C'est toi qui parles. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne fermez pas le portail. Cette occasion ne se présente qu'une fois tous les 300 ans. Laissez entrer le monde des ténèbres. Et permettez à l'humanité d'évoluer en une unité ô combien supérieure. Entité ô combien supérieure. Ne voyez-vous pas comme ce serait merveilleux? J'ai fait tout ça pour le bien de l'humanité. Ton âme est corrompue par la substance ténébreuse et tu prétends agir pour le bien de l'humanité? Tu appartiens déjà au monde des ténèbres. Dans le monde où nous vivons, tu n'es qu'une abomination. Non, vous ne voulez pas voir la vérité. Mais peu importe, le trophée est en moi maintenant. Il sera détruit en même temps que moi et vous l'aurez perdu à jamais. Quoi que vous fassiez, ce monde va se transformer. Vous ne pouvez plus l'empêcher maintenant. Moi, What?
pauvre fou. Le trophée ancestral ne peut être détruit aussi facilement. Le trophée ancestral. Trophée que tu gagnes normalement au championnat, quoi. Et là, as de pique. Je vais enfin le porter sur mon front et mener à bien ma mission sacrée. C'est pas grave, c'est un spoil. Hein. Je peux le rabaisser au son. Ouais. Je dois te remercier, mon ami. Je n'aurais rien pu faire sans toi. Je n'oublierai jamais ces quelques jours où nous nous sommes battus côte à côte. Eh merde! Quoi? Comme un con, j'ai mis la photo de lui sur la miniature de l'épisode 27. Or, il était pas encore comme ça. Je suis con. J'ai pas fait gaffe aux détails, en fait. Pas grave, pas grave. Ouais, de toute façon, il était en tout petit, on le verra pas. Si on le verra, c'est pas grave. Hein. Nous aurons peut-être une dernière fois l'occasion de nous battre côte à côte lors d'un championnat des dresseurs. Oui, genre, il part comme ça. Je pars à présent achever ma mission. Mais ce n'est qu'un au revoir. Putain, tellement classe. Je pense qu'il y a une bonne musique, mais... Okay. Vu la grimace que tu viens de faire, je pense que c'est une musique dégueulasse, en fait. C'est la même que d'habitude, en fait. Le portail du monde des ténèbres fut refermé, le ciel des archibels le redevint bleu. Le soleil disparut lentement sous l'horizon et la nuit tomba, mais Spiegel ne revint pas. Plusieurs jours et plusieurs nuits passèrent. Personne ne revit Spiegel. On s'en fiche de lui. Parce que moi je sais, en fait, tu vois. Ça me fait chier de pas spoil. Hein. Non, je sais. Compliqué. Ah, Jay. Ah non, ça, c'est à toi. Ah, Jay-Z, vous voilà. Je vous ai cherché partout. Vous devriez vous rendre immédiatement au quartier général de l'ODM. Le nouveau doyen veut vous voir. Bon, je sais c'est qui, même si ça devrait être moi, vu que c'est moi qui a sauvé le monde, hein. Hein. Ouais. Moi, je pense savoir qui c'est, même si j'ai pas fini le jeu, mais on verra bien. Si c'est vraiment ça. Bah, comme ça, tu te fais spoiler la fin avec moi. T'as par contre les baisses de FPS dans Civilia, c'est horrible. Ouais, c'est violent. Donc, tranquille. On a, entre guillemets, fini le jeu. On a déjà fait une grosse partie, quoi. C'est la vraie fin, en fait. C'est pas vraiment la vraie fin, mais c'est la plus grosse fin, quoi. Ouais. De toute façon, c'est le combat final, quoi. Tout ce qui est derrière, on le fera pas en bonus. Enfin, ouais. Sauf le truc là juste après. Ouais, ouais. Là, on va finir sur le truc que toi tu m'avais dit. Oh, j'ai pensé à un truc. Il y a deux trucs à faire pour la vraie fin. Ouais, mais. Hein, bon. Je dois choisir un des deux. Salut, Gab. Non! Ah, oh bah, c'est pas du tout elle que je pensais. Je pensais à qui, toi? Je pensais le père du héros. Ah bah non, il est ennemi contre eux, justement, donc... Bah ouais, mais bon. Aujourd'hui, c'est mon premier jour en tant que nouveau doyen, ou plutôt doyenne de l'EDM. Oh, ne prends pas cet air choqué. Je ne savais pas que ma mère faisait partie des principaux mécènes... De l'EDM? C'est quoi, mécène? MSN, ah oui, MSN, oui, je connais. Dégage, sors avec tes mains de merde. Une fois le vieux belote disparu, il était évident que c'était à moi de lui succéder. De lui décéder, bien sûr. Argent et relations brochées. Il t'en faudra si tu veux faire de la politique. Maman m'avait promis de me nommer doyenne si je remportais le championnat. Bah t'as perdu. Mais à cause de toi, ça n'a pas pu se faire. J'étais très agacée. Mais je te pardonne. Le championnat va connaître quelques changements. Je vais y apporter ma petite touche personnelle. Je vois en fait quelle fin tu parles. C'est soit un combat contre elle, je pense. Oui. Soit le truc qu'on pensait. Ouais. Mais moi, je pense qu'on va faire plus le truc qu'on pensait parce que elle. Voilà. Peut-être que je le ferai, mais ça sera une vidéo bonus. Ouais, une vidéo bonus peut-être, voilà. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ça va être génial! Il va devenir 1000 fois plus intéressant que les anciens championnats que tu peux me croire. Je rajoute des mots dans la phrase. Et comme tu es le champion, tu dois participer. Ouais, je sais en fait, c'est quoi les nouvelles règles vu que j'ai joué au deuxième jeu. Mais bon, c'est la même chose en fait. Et attends une minute. Qu'est-ce que tu as fait de ton petit toutou? Il est parti. Ça alors? Waouh, quelle histoire! Oh, en gros, il a trop content de secondes, le mec. Ah oui, il y avait autre chose dont je voulais te parler. Tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais déjà entendu ton nom quelque part?
Eh bien, j'ai fini par trouver. Tu es le fils de Krabs, c'est ça? C'est maman qui m'a mise sur la voie. Elle m'a dit que Krabs avait un fils et que ce n'était qu'un petit délinquant. Bah merci, hein. Va te faire foutre. C'est la cause, ça a fait tilt. Mais ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne. Bon, tu peux disposer. Mais t'as cru que j'étais un esclave? Il faut que je... Ah là 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 là. Il faut que je travaille le concept. Bon, j'ai... Le concept du prochain championnat. Oui, je sais. Et j'ai une idée. Et si tu allais te balader sur Apprentilla? Non. Tu pourrais, je ne sais pas moi, aller rendre hommage à la pierre du dresseur par exemple. Allez, file maintenant. On peut le faire ça? Ça fait quoi? Et quand tu reviendras, le tout nouveau championnat sera fin prêt. Ça fait quoi si on va à la pierre? On est obligé. Quoi? Pour faire celui qu'on pense. On est obligé. Et ça fait 40 minutes. Ça va me saouler. Hein. Sinon, je peux y aller voir. Je peux y aller voir si on peut le faire maintenant. Parce qu'en fait, ça me saoule d'y aller voir la pierre du dresseur. Vu qu'on l'a déjà fait, souvent. En plus, 40 minutes déjà, ça fait. Ouais, et pour ceux qui sont intelligents et qui comprennent ce qui va se passer si on va à la pierre du dresseur, c'est à l'endroit où on a rencontré un certain monstre pour la première fois. Voilà. Tu sais quoi? J'ai une idée. Oui. On va dire que cet épisode, c'est la fin. On s'arrête là. Mmh. Et si tu veux faire la suite, tout le reste, on fera dans des épisodes bonus si tu veux. Ouais. Ok, en plus, t'es vraiment obligé d'y aller là, en fait. Bon, ouais, donc... Donc, je pense, parce que là, comme il y a un nouveau let's play qui va bientôt commencer sur la chaîne, qui sera mon nouveau let's play, bah, ouais. Regardez le point délire. En attendant, moi, je ferai des épisodes bonus. En attendant, ouais, lui, il fera des épisodes bonus jusqu'à vraiment finir le jeu, même s'il est déjà fini, mais on s'en fout. Ouais. Voilà. Donc, voilà, merci d'avoir regardé la fin de DQM. Je pense que les épisodes bonus sortiront principalement les week-ends, mais on verra. Il y en aura peut-être deux ou trois, on verra, parce que comme ça tu pourras vraiment dire que t'as fait tout le jeu, si tu veux. Voilà. Donc voilà, on en tournera aussi quand on a le temps, puisque maintenant, faut aussi qu'on se concentre sur la nouvelle série Pixelmon, donc voilà. Ce sera vraiment quand on aura le temps, mais comme ça, s'il y en a qui veulent vraiment voir le jeu jusqu'au bout, ben vous irez voir les épisodes bonus, qui sortiront plus du coup dans des heures régulières, comme là, lundi, mardi, machin. Ouais, ça sera vraiment quand il voudra, et quand on pourra, voilà. Voilà. Donc vas-y, je te laisse finir. Donc n'hésitez pas à liker pour cette fin, à disliker si vous avez pas aimé. C'est votre avis après. Mais s'ils font ça, je les bute. Ouais, voilà. Ou si vous faites ça, ça serait bien de vous commenter aussi pour dire pourquoi. Hein? Parce que après, tu vois... Et si vous dites que c'est parce qu'il n'y avait pas les dialogues, je crois que je pète un câble. Ouais. Voilà. Donc... Voilà. Donc aussi, abonnez-vous si vous voulez vous abonner, voilà. C'est cool d'avoir un chiffre à 3 chiffres. Mais on l'a pas encore. Un chiffre à 3 chiffres. Oula. Voilà, donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, voilà, comme il a dit, on va faire des épisodes bonus et tout ça. Bon, voilà, vous le verrez bien si je les fais ou si je les fais pas. Et vu que je suis pas un salaud, je vais quand même les faire. Hein, je suis pas. Hein, voilà. C'est un salaud en vrai. Mais bon, oui. C'est vrai. Bon. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Je répète la même chose. Parce okay. que c'est assez... répétitif, voilà. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est que... C'est nul d'arrêter un let's play sur un jeu qu'on aime bien, tu vois. Ouais. Mais bon, il en faut bien. Voilà. Moi, j'arrête Spectrum, mais voilà. Voilà. J'étais dégoûté un peu, mais bon, c'est pas grave. Faut voilà. Bien. Bon, allez, bye les gens. Bah les gens. En plus il a effacé sa sauvegarde hein, pour Spectrum. C'est un gros salopin. C'est pas vrai. Au revoir.